Et voilà, encore un petit escargot bien dodu qui mange bien toutes les fleurs des plantes courgettes. Et je suis sûre qu'il y en a d'autres. Je vais chercher un petit peu par là, il doit y en avoir un autre, je pense. Donc, attention aux escargots qui sont de sortie. Il faudrait que je remette du miscanthus parce que le miscanthus a un effet urticant sur eux. Mais là, c'est la deuxième année que je l'ai posé, ce miscanthus. Du coup, il n'y a plus l'effet urticant comme au départ. Il faut en rajouter un petit peu chaque année. Et cette fois-ci, dans les tournesols. Alors, celui-là, il est encore plus gros. Il est énorme. Non, c'est celui-là qui est énorme. Non, je parle pas des tournesols, je parle de l'escargot qu'il y a dedans, chérie. Mais quoi? C'est où l'escargot? Tu le vois pas, là? Ah oui, ma gueule du roi, il est pas vu. Ah bah oui, il est bien gros pourtant. Oui. Tiens, il est bien gros. Ouais, on pouvait pas le rater. Et à mon avis, je vais faire une petite recherche. Ah bah voilà. Et c'est pour ça que j'ai pas de kiwano. Il y en a un autre. Il y en a un autre là. Et puis je pense qu'il y en a encore en dessous. Bon bah je vais les enlever. Les petits kiwano qui sont là. Hop. Ouais, je vais tous les enlever. Je sais pas pourquoi, ils doivent adorer les fleurs de kiwano. Il est où? Voilà, il est là. Il y en a un là, il y en a un dans les tournesols et puis l'autre dans les courgettes. Bon, je vais enlever tout ça, hein.